cette année, le Forum d'Avignon a proposé vraiment que France Culture soit là en majesté. Et c'est une proposition à laquelle, évidemment, France Culture a répondu de manière... de la façon la plus ample possible, parce que la préoccupation qui est celle du Forum d'Avignon cette année, cette manière d'interroger toutes les façons d'entreprendre la culture, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'entreprendre la culture et sur le plan politique et sur le plan économique, d'accueillir aussi bien la parole des politiques, on a entendu Alain Juppé, que la parole des acteurs économiques de la culture, que la parole des artistes. On a vu hier s'exprimer aussi bien le philosophe Michel Onfray, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, ou des artistes, Amos Gitaï, Yael Naïm, David Donatien. C'est exactement ce que France Culture fait dans une partie, pour une partie de sa programmation toute l'année, c'est-à-dire essayer de savoir comment continuer à rendre vivante la culture ici et ailleurs, comment aider à faire en sorte que la culture contribue tout simplement à rendre ce monde meilleur.